Et on est reparti sur la route en quête d'une valise. Je me chie déjà. Bon, c'est pas grave. Ouais, on venait de foutre les coups à l'autre con. On a dit qu'on l'appelait l'autre con. Crime détecté. Est-ce qu'on fait le petit crime? Parce qu'on a le temps. Un peu. On va essayer de prendre un peu notre temps dans les vidéos. Enfin, un peu. Un peu, hein. Est-ce que je l'ai piraté? Ah, genre, quand tu pirates des smartphones aussi, tu peux avoir des musiques en plus sur ta radio. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Par contre, tu vas me sortir... je sais pas. Non, pas le... non, non, pas le blackout au prix que ça coûte, fuck. Hein. Ouais, les grenades, si tu veux. Hop. Non, c'était pas toi la victime. Ouais, d'accord. C'est toi là-bas. Il est dans le coin. Reste plus qu'à le trouver. On va juste attendre là, en fait, parce qu'il va venir, sûrement. Il est là. Non, c'est pas lui, là-bas? Ça m'étonnerait pas, pourtant. On attend tranquillement, hein. Voilà. T'as parlé à des gens alors que t'aurais dû fermer ta gueule. Non. Eh, tu sais quoi, tu ferais mieux de dégager. Merci. Appelle quelqu'un pour voir toi. Je voulais le ralentir mais ça n'a pas spécialement bien marché. Comme quoi ça marche même sur les piétons le coup des bornes. Ah ouais non par contre ça c'est mort. Ouais là désolé. Il n'y avait pas moyen que je me tape les renforts et tout quoi. Allez range ça, hop. Pour rebaisser les bornes. Bon, par contre, j'ai aucune idée d'où j'ai laissé ma bagnole. Bah, bah tant pis, il y a des motos là. Hop. Moto, moto. Allez, on va à la mission. Go to the mission. Oh, c'est en bas que ça se passe. Ah, attends. Je te sens piratable, toi, non? Ah bah non. J'aurais cru. Petit touriste, là. Il faut que je sois prudent. Si une chose est sûre, c'est que Damien restera pas les bras croisés. Il a ses propres plans. Bon, pour l'instant, il me faut cette mallette. Tenez à ce que je t'explique l'importance de la mission. Tu vois cette mallette que tu transportes? Elle contient pas que des noms et des invitations. Elle contient l'avenir de notre profession. Vérification d'antécédents, indiscrétion, tendance. Tout ce dont Queen a besoin pour s'assurer de la loyauté de ses invités, compris? Alors t'as intérêt à en prendre soin comme si elle était remplie d'or. Voilà, autant dire que c'est easy, hein. Je dis ça et je manque de me faire repérer, c'est pas mal ça quand même. Plus de 70% de rabais. Alors tu vois la mallette? Oui, elle se déplace. Attends, j'y crois pas. Quoi? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. Un échange de mallettes. Non mais sans deck. Ça marche vraiment ces trucs-là? Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pourquoi ils font ça? Ils espèrent tromper le CTOS? N'importe qui pourrait voir l'échange sur un moniteur de surveillance. Ils veulent perturber le logiciel de détection. Intéressant. Vous auriez pas une petite pièce ou un ticket resto? La voie de l'illumination est celle de l'obscurité.
Mais non, je vais pas perdre la cible, t'inquiète pas, je passe juste là. Non, mais il est taré celui-là. Allez, mais il est là-bas! Oh, bordel! C'est con, je me serais bien assis là, genre au truc. Pour faire genre, voilà, je bois mon café tranquillement. Je sais pas s'il bouge lui. Ça m'inquiéterait un peu qu'il bouge en fait. Parce que là, il va juste poser la truc dans le bateau quoi. Ah oui. Comment ça se passe d'ailleurs? Mais non, je vais pas la perdre, il est là. Tranquille hein. En fait après il va y avoir course poursuite avec le bateau. La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Ouais, sauf que j'ai aucune idée d'où est ta moto en forêt. Allez, là. Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Non. Non. Ah, là, la vieille marina. Acheté par Lucky Queen en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. Ah, il y a un peu d'air control. Un peu. En moto, du moins, je vais jamais trop tester en voiture. Ouh là là. Ouh! Je crois qu'on est arrivé. Quasiment. Là, on n'est pas arrivé, mais pas loin. Non? Ah, tout pas. Ah, je croyais. Autant pour moi. Poussez-vous. Oh, désolé. Apparemment, je t'ai pas blessé, donc ça va. C'est là que ça se passe. Oh, putain! Alors, j'avais cru voir que je pouvais interagir avec ça, mais j'ai dû rêver en fait. Non? C'est bizarre. J'avais cru l'avoir en surbrillance, ou alors c'est fait exprès pour la mission. On peut le mettre en surbrillance, je sais pas. Attendant. C'était passé la première fois. Je suis passé par là. D'ailleurs, c'est une des dernières missions que je connais. Du coup, ça risque de changer après niveau des de la longueur des vidéos parce que je connaîtrais pas, donc je tâtonnerai beaucoup plus, je pense. Oui, ça va aller. Ouais, zéro intérêt ici, à venir ici, il me semble. Je regarde juste s'il n'y a pas de piratage. C'est quoi ça? Les deux munitions, OZEF. Là-bas, il y a une caméra, je veux bien repérer un peu. Qui est là-bas. Je sais qu'il y a un mec qui fait l'aller-retour.
qui vient jusque là et qui après repart. Là-bas, il y a lui. Ok. Faut que je flingue celui qui peut appeler des renforts. Apparemment, il va venir vers moi. Non ? Tu restes là ? Si tu restes... Oh oui, t'es là, d'accord. Ah. Ah si, nickel, entre les barreaux, ça passe. Lui là-bas, il a pas l'air de bouger. On va se faire lui au pire, hein. C'est pas fait. Merde. Je parle pas beaucoup pendant ces phases, j'essaie de rester calme et concentré. Voilà. Parfait. Je vais t'envoyer la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Il faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Voilà. Tu peux te faire passer pour un... un Monsieur Ping. Non, je pense pas. Y a pas un Européen ? Nicolas Crespin. 32 ans. Américain expatrié. N'est pas revenu depuis 12 ans. Eh ben voilà. Oh la vache. Y a une liste de ses préférences. C'est un malade ce mec. Et blindé de pognon. Eh ben, il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire ? Clara, si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Oh. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Non, ça va. Cette ordure manquera à personne. C'est lui qu'il nous faut. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok. Je vais l'attendre là-bas. Voilà, mission, ça c'est fait. Donc, 3 points de compétence, on en fait quoi ? Canalisation là, je vois. Hop. Oh, de la batterie, remarque, ce serait pas du luxe. C'est quoi ça? Boost, piratage de distributeur, non, Osef. La batterie, voilà. Le concessionnaire est à Mad Mile. Je dois d'abord pirater le centre de contrôle du district. Ah ben voilà. On va prendre le temps de faire ça, puisqu'il faut pirater ça là. Il a dit. D'abord pirater le centre de contrôle du district. Donc on va prendre le temps de faire ça tranquillement avant de couper la vidéo. Ça va... Je vois pas lequel c'est, mais bon. On va se débrouiller, hein. Faut en profiter parce que, effectivement, après, il me reste deux missions. Et après, je connais plus le jeu. Donc, il y aura beaucoup plus de fail et tout, hein. Ah oui ! Oh ! Le pire centre CityOS jamais vu. Enfoiré. Je le déteste. Alors. Faut pas que je me trompe de côté genre. Défense d'entrée. Oui, je me doute. Alors genre, c'est pas de ce côté. Mais d'accord. Enfin non, vous en foutez. C'est de ce côté.
c'est lui qui a le truc là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y, en a... Il y a lui dans le coin là? Un petit leurre, j'ai pas un petit leurre? Voilà. Identifiez-vous. Voilà. Il y a lui là, comment je vais l'atteindre? Je veux pas qu'il me fasse chier en fait. Voilà. Alors attention parce que là, je vois... Là il y a eux. Là il y a lui, je vais me faire lui là. Après ça devrait aller en fait. Voilà. Voilà. Putain, là c'était vraiment trop chaud quoi. Bon, ça s'est super bien passé, hein. C'était improbable, mais. Non, je vais éviter d'attirer avec ça. Non, non, non. Par contre, je vais rester là pour l'intrusion. Moins à couvert là au cas où il y en aurait que j'aurais oublié. Alors là si je tourne celui-là ça va ouvrir ça. Ah oui, difficile d'anticiper en fait. Bon bah c'est passé tout seul, nickel. Bon là ça va, franchement. Caméra, là, voilà. Et t'es verrouillé. Nickel, franchement, ce centre pourtant, ce centre City OS, j'ai vraiment galéré les premières fois pour le... Pour le passer. C'est pour ça que je dis que... Oh putain, c'est quoi ton arme? Je prends. Oh, tu peux la ranger, on va plus s'en servir. Ça aussi c'est chiant, en fait il se baisse automatiquement, mais on peut pas se baisser quand on veut. Moi j'aimerais bien pouvoir me baisser quand je veux. Tiens, ça aussi je prends. Je l'ai? Non, je l'ai pas, je prends. On range. Range. Voilà. Bah, nickel. Nickel, nickel. Ouais non, ma moto je la reprends pas par contre. Voilà qui est fait. Bah voilà. Au tour de Crispin maintenant. T'as changé de qui? J'ai mes soucis, mais ça va mieux. Banqueur pirate. Oui, bonjour, c'est Aiden, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Gagner de l'argent, si jamais vous de avez un problème avec Jackson, alors, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. D'accord. Suivez l'habit du regard et gagnez du fric. Ok. Je vais être franc avec vous, je suis encore je un débutant. Je vais juste faire ça là, vous êtes sûr de gagner.
On va voir ce que ça donne. Attentive. Tu vois la bille ? La lâche pas des yeux et dis-moi où elle s'arrête. Ouais. Choisis un gobelet, mec. Ouais. Celui-là. Eh hey mec, tu vas pas complètement me dépouiller. Mais non, je vais pas te dépouiller. On en refait une. Faut jouer. Allez, vas-y, mec. On en refait. Bon, regarde. Ouais, ouais, ouais. La bille est là. Oula. Tintintin. Ok. Alors, elle est où la bille ? Elle est là. Putain, t'as de bons yeux. Eh ouais. Allez, j'entends ton dernier. On va voir. Gobelet, ouvre grand les yeux et suis la bille. Où le bâtard? Je me suis endormi là. Ah, c'est bon. Alors, t'es paumé là, hein? Pas dit, mais je suis pas sûr à 100%. Allez, je t'ai mis dedans. Merde, t'étais censé en choisir un autre. Ok, tu m'as eu. Bon, tu veux voir du vrai Bonto ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, ok, il y a un compte bancaire là. Hop, attendez. Je peux pirater personne ? Hop là. Toi, non. Ok. Ouais, ta gueule, ta gueule. Oh, c'est mignon! Putain, C'est bien, c'est discret, le mec qui s'arrête juste devant toi. Bon, allez. Eh, j'ai envie de sortir un bazooka, là. On a pas de bazooka? Sérieux, sors de là. Vous m'avez pas vu ou quoi ? Non. Allez, on va s'arrêter là. On reprendra. Quoi ? Voilà. Parfait. Je fais ça aussi. Tac, au passage. On reprendra pour la prochaine mission. Prochaine vidéo, prochaine mission. Voilà. Mais à plus tard, tout le monde. Ciao.